Jeudi exam assassiné yon agent Udmo. La police nationale la prend coup, les nèg exam yo frappé porte PNH la très fort. Josnick Fogg, c'est non Udmo ça qui lui-même tombé en bas main individu qui assassiné. Pour pipiti 40 moun mouri dans yon bateau qui prend difé. Lionel Lazare qui lui-même était porte-parole Sinapoa démissionné et qu'elle est là, li nan yon l'autre place dans PNH la. C'est tout point ça yo ak quelques autres nous pral wè nan vidéo ça pou jodi an quel que soit côté ou regardé ak tande nou n'ap di ou bonjour li capable bonsoir tout et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je nous t'ai annoncé ou li nan commencement vidéo a et bien la police nationale d'Haïti prend coup côté gagné yon agent Udmo qui tombé et bien monsieur là qui mouri assassiné face avec yon bande assaillant qui lynché monsieur Josnick Fogg, c'est non monsieur, monsieur c'est yon Udmo qui lui-même c'est dans le département centre. Monsieur qui lui-même c'est dans Sodo qui nèg yo assassiné là. Monsieur c'est nèg Nord-Est mais li affecté dans Mibale. Agent ça a été en mission et puis là il prend dans une embuscade côté un bon nèg exam Kembel yo assassiné. Zak assassiné ça qui lui-même suscité yon grande émotion bon côté communauté policière qui au même prend coup avec départ Udmo ça qui mourit dans mauvais conditions. Donc la police là qui prend coup parce que yo pedi yon agent Udmo qui nèg exam assassiné. Pas gagné trop de détails de l'amour ça après que nèg exam qui assassiné, mais ou pas dit est-ce que c'est bandit ou bien moun nan zone plateau central, ça nous pas connel. Yon not boy gagné plus passé 40 moun qui disparaît après yon bateau qui te gagné environ 80 moun là-dedans. Selon détails, yo bateau ça t'a prédifé pendant yo t'a fait yon cérémonie mystique là-dedans. Et puis pendant cérémonie mystique là fait là le prédifé et puis s'entendé a moun yo fait voile pour pays sans chapeau. Tellement haïtien croit dans bagay ça. Yo toujours dit moun ka fait voyage sous bateau yo c'est moun ki mystique yo et parfois les rive nan mitan la mer yo gen bay yo pou yo gérer. Si soit yo bay met dans de l'eau à moun ou bien yo bal bouteille ou bien manger ou te préparer pour li. En tout cas, m'pa entrer dans détail yo parce que m'pa fò nan pati ça. L'autre nouvelle, gen Lionel Lazare qui lui-même kou elle là, c'est nouveau porte-parole adjoint PNH là, lui-même qui était démissionné hier comme coordonnateur général syndicat police nationale d'Haïti. Donc on est monsieur c'est lui-même qui était coordonnateur et Sinapoa et bien monsieur pas coordonnateur Sinapoa encore, il démissionné en tant que coordonnateur Sinapoa, kou elle là monsieur installé comme porte-parole adjoint police nationale d'Haïti. Donc Lionel Lazare qui lui-même sorti de yon poste à yon autre poste, donc monsieur là qui toujours fait partie de gouvernement qui en place là. Nouvelle yo a poursuivre sous chaîne qui là pour informer ou là gagné ancien titulaire ministère justice et sécurité publique là maître Luc Mandelil qui lui-même opposé à façon autorité yo a abordé problème insécurité ya. Et bien dans yon interview li te fait dans Radio Vision 2000 j'ai dit ça li exprimer inquiétude li face avec manque matériel et moyen qui gagne pour lutter contre gang. Donc selon Luc Mandelil et PNH la manque matériel pour combattre gang yo. Et bien dans intervention sale divers sous Vision 2000 ex ministre justice li critiqué méthode autorité yo utilisé pour aborder problème insécurité. Insécurité a nous connaît cap valé terrain depuis quelque temps côté gang exam c'est yo qui fait ça yo vle y a fait la plier les boutons. Et bien là Luc Mandelil lui-même li opposé à façon autorité yo à gérer question insécurité ya. Pour monsieur là manque matériel manque moyen pour combattre nèg exam yo parce que nous connaît nèg exam ça yo là. Si pas n'importe qui bagay ki nan men yo, nèg yo gen gros moun kap e sponsorize yo, nèg akop kap bay yo gros l'argent, kap bay yo gros zam, donc pou misye la, gen arrangement ki supposé fait. En parlant di nèg exam, eh bien gen yon vidéo ki très viral la, kote Lanmò Sanjou ap montre nouveau zam ki l'achete, nouveau zam ki l'possede pou kapab en face et police la, en face force Kenyan nan. En tout cas, moun kap vivan yo, moun kap la après opération yo, ap genyen pour raconter comment ça te yé entre force multinationale la mélange ak la police et bandi ak zam yo.
Si les potes qui ont force multinationale là, car t'es grave, insécurité a été sans pareil, est-ce que qui ont force multinationale là, pays après le prend souffle? En tout cas, force multinationale là, là déjà, est-ce que après opération, Haïti pral prend un souffle, moun pral capable vivre à l'aise, sans qu'il saute, sans pile problème, côté moun a perdu affaire, moun a perdu vie, côté volé en vaille moun, et en tout cas. Gaï koni yon te nan, koulan jet nan man klojote. Sorti nan loup, pas de vie! Oh! C'était Goulombe! Là, Claude Joseph dit Gaï koni ça. Gaï koni yon te nan, koulan jet nan man. Claude Joseph. Excusez-moi. Ouelele! Oui. Bagay yon pile. Gaï koni yon te tout ton gen nan man, Claude Joseph. Yon son en réunion, la Kaï, ancien sénateur Gérard Gilles et conseiller présidentiel. Gaï koni comme premier ministre, il était présent. Claude Joseph était présent. Mou Jean-Charles était là. Et puis Zimpété sur question ça. Et Gaï koni comprend jouet là. Gaï koni dit pas gen bagay comme ça. Yes! Hey! Comme ça même? Claude Joseph, attendez. Gaï koni dit pas gen bagay comme ça. Yes! Si vous avez qui vous faites la fête selon les normes. Oui. Si le changement qu'a fait, t'a fait selon un homme, et si le changement a gagné, il faut qu'on raison claire, ok, pour le changement ça capable de faire. Parce que jusqu'à présent, selon Gaï koni, il n'y a aucun problème avec le conseil actuel. Aïe, 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 aïe. La Banque nationale du crédit, madame, monsieur, il n'y a aucun problème. De pourquoi changer ce conseil, pourquoi cette velléité pour changer ce conseil de la Banque nationale du crédit. Claude Joseph campé en face Gaï koni. Claude Joseph menacé Gaï koni. Menacé même oui, Louko. Attends. Oh, qui te baou? Claude Joseph menacé Gaï koni. Claude Joseph dit Gaï koni. Il va le goumer pour le jeter. A qui force? Li jeter président. Li jeter premier ministre déjà. Président, oui. Ah, président, oui. Benjamin Aristide. Ah, et Claude qui était Aristide. Ah, ben, ça, mais ça, quel est GNB. Comment c'est GNB? Comment, oui, mais qui ça? Et même, t'es qu'à dire, Benjamin Aristide, tout. Et pas ça, mon cher. Attendez, mon frère. L'Idiga est connu. L'Idiga est connu. Et nous connaissons qu'il a parlé matin. L'Idiga est connu. M'bral Goumé pour m'jeter, m'abjeter comme premier ministre. Parce que, moi, m'jeter président déjà. Moi, jeter. Premier ministre déjà. Et Claude Joseph qui était. De Jean-Baptiste Aristide 1984. Et puis Ariel Henry, que lui-même il considère que jeté. Vous connaissez, faut que tu aies comme si et Claude Joseph qui était Ariel Henry, ou bien Gang qui jeté Ariel Henry. Non, oh, attendez. Claude Joseph, dans tête parle, c'est lui-même qui jeté Ariel Henry. Vers quel est? Vers quel est? Attendez, dans tête Claude Joseph, c'est lui-même qui jeté Ariel Henry. C'est lui-même qui jetait Jean-Baptiste Aristide et le répétait hier soir dans la figure Gaï koni. Et là, c'est ça. Gaï koni est en train de dans mon Claude Joseph. Sorti dans l'eau, pas de vie. Oh! C'était Goulombe. Attendez. Sorti là. Allez, nous aurions dit encore. Pas mal d'ouvrir, mon frère. Là, Claude Joseph dit Gaï koni ça. Gaï koni est en train de dans mon Claude Joseph. Excusez-moi. Ouelele. Oui. Bagayon pile. Gaï koni rentre tout ton gain dans maman, Claude Joseph. Monsieur. Dans le firmament. Monsieur, sur question, sous question Benzia. Moi, je Charles de là. Moi, je Charles m'a dit why. Monsieur. Ablez que nous-mêmes ici, nous relé matin débat. Et matin débat, c'est l'information. OK? Et je souhaite que nous prenions temps. Et le soin pour nous comprendre, ça nous va le dire matin, hein? Dans quatre dossiers, ça, dans ce qui a passé pratiquement dans le pays, madame, monsieur. Hier soir, il était aux environs de 9h, presque 8h, 9h, presque 10h du soir, et le conseiller présidentiel, l'ancien sénateur Louis-Gérald Gilles, était en réunion à Cali à 25. Et dans la réunion, ça a été gagné. L'ancien sénateur Moïse Jean-Charles. Aïe, aïe, aïe. Le premier ministre. Pakapala. Le premier ministre. Pakapala. Le premier ministre Gaï koni. L'ancien premier ministre Claude Joseph. Parmi l'autre monde qui était là.
Hier soir, il y a une altercation. Il te manque de gagner un gourmet. Qui s'est passé hier soir? Gros dossier là dans le pays. Moi, c'est très important pour nous connaître. C'est le dossier de BNC. Également le dossier de l'ONA. Eh bien, ce dossier BNC, ça, je dis, qui mettait une certaine division au sein du Conseil présidentiel de transition et division entre certains membres du CPT avec le Premier ministre Gaye Conille. Et ça fait que matin, on m'a dit que à qui profite cette mésentente, bon, mésentente sous dossier BNC. Dossier BNC, qui s'allie, madame. Vous écoutez Matin Débat. Go hôtel dans Pétionville. Je vais citer nos hôtels là matin, hein, parce que je crois qu'il est nécessaire. Go hôtel dans Pétionville, qui gagne la donne plusieurs actionnaires du secteur privé. Hôtel Zaboul de Fête, sont prêts à quitter Fête dans BNC. Et même hôtel ça tout, gon parti dans l'argent pour te faire hôtel là. Yo t'a prêté comme là dans l'ONA, n'a parlé de 1 million de dollars. Maintenant, moun qui s'actionnaire dans hôtel ça, c'est des moun qui dans secteur privé et yo très influent. Comment mieux ça m'a dit le matin hein? Pour comprendre la réalité pays aujourd'hui madame monsieur. OK? Donc toute bataille qui gagne dans pouvoir dans pays d'Haïti son bataille d'influence, son bataille d'intérêt. Maintenant, actionnaires font prendre ou non pour hôtel ça, 1 million de dollars. Et puis, ils jouent sur influence politique. Ils fait que on a vin actionnaire dans l'hôtel là. Donc, au lieu que vous ayez mettre l'argent avec intérêt à l'ONA, OK, ils jouent sur influence politique. Le fait que on a qu'on y a un actionnaire dans l'hôtel là. Et bien, c'est même bagarre. Monsieur, vous faites avec le BNC. Yo prêté plusieurs millions de dollars dans le BNC. OK? Et puis, depuis là, vous faites prêter Cobla pour l'hôtel là dans le BNC. Yo goumé, y a goumé, et ça, c'est ça, Gladimio, y a goumé. Pour BNC qu'on y a converti prêt en action dans l'hôtel là. Yes, yes, yes. Et c'est ça qu'il faut voir que dernier conseil BNC, dernier conseil d'administration BNC, il revoque tout net. Parce que justement, dernier conseil, ça, pas d'accord, marché dans la logique là. Il joue sur influence politique. Il révoque le conseil guidé là. Parce que le conseil guidé là, pas d'accord. Marché dans la logique pour BNC vienne actionner dans l'hôtel ça donc dans Pétionville. Et bien, c'est ça qui a passé là. Oui? Qui ça qui est là? Dans le moment là, pendant qu'on a parlé là, il y a des actionnaires qui sont dans l'hôtel là, il y a des gens qui sont dans le secteur privé qui sont actionnaires dans l'hôtel là, qui financent des membres du conseil présidentiel de transition. Ah ouais? Il y a des gens qui sont dehors. Qu'on a mis des pressions sur certains membres du conseil présidentiel. Pour mettre pression sur Gaye Conille pour changer parce que yo voulait mettre conseil par yo pour arriver à atteindre objectif yo pour prêt que yo gagne dans BNC pour prêt ça li converti en action dans hôtel là mais toute bataille là malheureusement ou joine Claude Joseph dans bataille ça et me dit monsieur dame c'est pété yo. Pas que aucun de nous même là qui prend l'argent dans le secteur privé et que le pays n'a pas connu. Parce que monsieur secteur privé, il n'y a pas fait sentiment avec personne. Il n'y a pas l'ador. Il y a l'ador. Il y a là pour l'argent, il y a là pour l'intérêt. Donc si on fait business avant, si on fait politique avant, politique là basé sur l'argent, accepter de prendre l'argent dans le main, il faut qu'on délivre. On allait avec analyse, parce que matin débat sur émission d'analyse, de commentaires, mais de oui. Débat, nous d'accord. À l'aise, à 1000%. Okay. Je dis à nous clair, et je dis pendant ce moment, bandit, je dis à l'ICA peut-être trois tapes pour yo, pour y revendiquer, puis sous tape négociation, pour y revendiquer dialogue, l'ICA trois tapes pour yo, parce que les priorités fait là, OK, l'heure a passé parce que ou pas qu'a dit aujourd'hui que bandi ou groupe armé pas contribuer
dans jeté Ariel Henry. D'ailleurs, il y a deux secteurs qui empêchent Ariel Henry rentrer en Haïti. Vive ensemble, c'est l'international et les bandits. Parce que c'est bandits, entendez, parce que c'est bandits qui étaient campés, qui fermaient les portes là, qui empêchaient les portes là fonctionner, avion pas qu'à voler, ok? Et puis Ariel Henry pas qu'à atterrir en Haïti. Jusqu'à ce que compagnie aérienne, à travers compagnie qui a dirigé, en fait, qui y a même mieux qui régit en bas et ça que compagnie ça gagne comme principe, ok? Avion vient pas qu'à voler. Ariel Henry pas qu'à entrer en Haïti. Même pas voulait accepter Ariel Henry parce que bandit, yo, il était clair sur question ça, question importe là, il pas marché, il a fermé importe là. Ça c'est un. Deuxième, l'autre monde, l'autre secteur qui empêchait que Ariel Henry entre en Haïti, c'est l'international. Parce que si Blantel voulait Ariel Henry venir, c'est que ça passé. On vient parler, oui, nous quoi. On l'hélicoptère blindé. Il a pris l'hélicoptère blindé, Esaïe César. Non, on va gagner. Et puis Ariel Henry, pas de presse. Causez-moi des chaises. Quand Claude Joseph tient force. Mon cher. Eh bien, Guy Philippe, t'es qu'à dire que c'est Ariel Henry tout. Maurice Jean-Charles qui était dans la rue, hein, vient tourner, hein. T'es qu'à dire que c'est lui qui était Ariel Henry. Monsieur Bonne bon, côté m'te ka comprendre Guy Philippe là, parce que pas oublier monsieur. C'est mouvement révolution Guy Philippe tap Cléon, Cléon et puis nèg vivant ensemble tout levé camper et puis boum.